Hello, good evening, everyone. Hello, hello, good evening. Hopefully, Lois' finger crossed worked. Please let me know in the chat. Right. Good evening, Razu, Loli, Sandrine. Welcome, welcome to this live. Can you tell me that you can see everything? And you can hear me? Yes, excellent. So, Loli, you have to cross your fingers each time, okay? Is that a deal? It's a deal with me. Faut que Loli croise les doigts à chaque fois pour que ça fonctionne. Alors, voyons ici, c'est bon. Great. Hello, Alex. Good evening. Mazou, j'ai dit. Sandrine saying, I see and I hear well. C'est le contraire, hein. C'est A-E, deux L. Pas deux E, A-L, Sandrine. Okay, great. Well, let's do it then. Alors, ce soir, nous voyons une série que je suis en ce moment, en fait. Ça s'appelle Harrow. C'est le nom du docteur, d'un médecin légiste joué par un Britannique qui s'appelle Ian quelque chose. Gruffudd, pardon. C'est lui qui faisait... il a joué dans pas mal de séries et films américains, mais il est british, hein, il est britannique. Et... Il a joué dans la série Forever. Je ne sais pas si vous avez connu cette série-là. Enfin, si vous avez vu cette série-là, si vous la connaissez, quoi, tout simplement. Bref, l'épisode aujourd'hui, alors c'est Dr. Harrow. C'est un, donc, he's a coroner. A coroner, c'est un médecin légiste. On dit aussi des fois en français coroner. Docteur, oh, je vais enlever mes bracelets, ça fait du bruit. Ah bon. Voilà l'épisode. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, par contre, c'est le premier. Et en fait, je l'avais loupé. Donc, en ce moment, il passe le samedi soir sur la 6, je crois, sur M6. Et Loli qui nous dit que she doesn't know this TV series. Well, I like it. Actually, well, you'll see. Maybe you like it. So if you like it, you can watch it tomorrow evening. Samedi soir sur la 6. Mais maintenant, ils ne mettent qu'un épisode. C'est dommage, mais bon, c'est déjà ça. En VO, hein, toujours. Hein. Alors... Donc, c'est un médecin légiste qui travaille avec la police sur des assassinats, des meurtres, tout ça. Et en fait, il a cette particularité de se mettre vraiment à comprendre le pourquoi du comment, tout ça. Bon, bref. On n'est pas là pour ça. On est là pour un petit extrait du premier épisode de la première série. En plus, je l'avais loupé. Donc, ça tombe bien. Je l'ai regardé cet après-midi. Et alors, je vous décris la scène. Donc, Dr. Harrow, il reçoit un appel téléphonique et on le voit se précipiter à l'hôpital. Et c'est en fait sa fille qui a été admise à l'hôpital. Donc, alors c'est parti. Où est-ce que je vais mettre ça au milieu, comme ça je regarderai plus en face. Alors, là c'est le français à droite et
L'anglais à gauche. Donc, première chose à traduire, c'est le docteur. Donc, il arrive en courant dans l'hôpital et le docteur lui dit « Votre fille a-t-elle déjà consommé de la drogue ?»« Votre fille a-t-elle déjà consommé de la drogue ?» Donc, ah, j'ai mon voisin qui met sa télé à fond. Désolée si vous entendez. Donc, votre fille, ça c'est la phrase à traduire, votre fille a-t-elle déjà consommé de la drogue? C'est le docteur qui dit ça, le médecin de l'hôpital qui dit ça à Harrow, qui est le nom du médecin légiste. Alors, j'attends un petit peu pour voir vos réponses. Dites-moi tout. Tac, tac, tac. Alors, n'hésitez pas à vous connecter à votre compte, hein, votre compte Gmail pour pouvoir écrire dans le chat, même si vous connaissez que quelques mots, c'est pas grave. Et puis mettez un like comme ça, ça m'aidera aussi sur YouTube. Alors, hello José dos Santos. Hello, hello. Alors, première à nous donner une proposition pour votre fille, a-t-elle déjà consommé de la drogue? C'est Loli qui nous dit Did your daughter go drugs? Alors, le temps, c'est pas ça. Et go, consommer, hein? Pas aller. Hello, Mouchahid. Hello, hello, welcome. Donc, la phrase à traduire, je l'ai mis juste en dessus. Je suis en jaune, normalement, je pense, pour vous aussi. C'est « Votre fille a-t-elle déjà consommé de la drogue ?» Hello, Florence. Not to worry, you're on time. Hello, Phil. We missed you on Wednesday. How are you? How about you? How about me? How about me what? You mean how are you, I suppose. Hello Bruna, how are you? Okay, so Bruna nous propose your daughter has started drugs. Alors, ça veut dire votre fille a commencé le temps à utiliser, c'est un peu bizarre, mais a commencé la drogue. Sandrine qui dit, does your daughter has also used some drugs? Ok, c'est mieux, c'est pas encore ça. Imaginez-vous la situation. Elle lui demande, est-ce que votre fille a déjà consommé de la drogue? C'est-à-dire que la conséquence, elle est aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital. Et donc, elle veut savoir ses antécédents. Donc, c'est une question sur le passé qui a un rapport avec le présent. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois. Alors, c'est quel temps qu'on utilise? Allez, allez, allez. J'étais où? J'étais avec Sandrine Jedi. Hello, Bruna. Loli, has your daughter consumed drugs? Ah, ça y est. Loli a compris le temps qu'il fallait utiliser. Phil qui dit hello to everyone. Mazou, your daughter had already drugs. Ok, pas mal. Consommer, vous pouvez dire prendre. Hein? Est-ce que votre fille a déjà pris? Toujours contourner, hein, s'il y a un vocabulaire que vous ne connaissez pas, contourner. On peut dire, est-ce que votre fille a déjà pris de la drogue? Ok, prendre, vous connaissez ce verbe-là. Bruna is fine, great, excellent. Alex, your daughter take drugs. Alors, Alex, si c'est du présent que vous voulez mettre, n'oubliez pas que your daughter, c'est la troisième personne du singulier. Ok, et ça veut dire votre fille prend de la drogue. Ok, c'est pas une question d'ailleurs. Alors, Philéloli, comme d'hab, Mujahid. Has your daughter already consumed drugs?
C'est joli, ça. C'est pas mal du tout. Phil is feeling good. Excellent. Sandrine, did your daughter already used some drugs? Ça pourrait être ça s'il n'y avait pas une conséquence. Une conséquence sur le présent. Parce que là, si vous avez dit did. Did, c'est le passé. OK? And you, teacher, Phil ask. I'm good. I suppose that's the answer you wanted. Mujahid, has your daughter already took up? C'était le. Au lieu de took, c'était taken. Hein? Vous avez enlevé. Alex, your daughter have taken drugs. OK. Même erreur, hein, Alex, que tout à l'heure, c'est. La... Pardon, excuse-moi. Oups, voilà. Sip of water. Voilà, ça va mieux. Pardon. Daughter, la fille, c'est la troisième personne du singulier. N'oubliez pas le S. Hein. Même tous les temps, même au present perfect que vous avez mis et qui est bon. Loli, has your daughter used drugs before? Très bien, oui. Mazou, your daughter had took. Non, c'est le participe passé à ce moment-là qu'il faudrait mettre hein, plutôt que le prétérite. Et c'est un irrégulier, hein, to take, took, taken. Et had, ça vous ferait du past perfect, c'est pas logique. Hein? On veut juste du present perfect. Hein. Phil, is your daughter has been taken drugs? Avec Alex, hein, les drogues. Is, non, pas du tout. C'est le mauvais emploi de l'auxiliaire, là. C'est pas l'auxiliaire B, hein. Hello, Face. Has your daughter already taken drugs? There we go. First one. Excellent, Face. Has it taken, yes. Florence, has your daughter taken some drugs before? Yes. OK. Excellent. Alors, donc c'est bien ça. Hein? Has your daughter taken drugs before? Et le père, donc Monsieur Harrow, il dit pas que je sache. Je vais vous mettre les deux. Pas que je sache. Ça c'est Mr. Harrow qui dit ça. Hein? Est-ce que ça passe comme ça? Un espace. Alors, il dit pas que je sache, donc pas à ma connaissance, quoi. Et du coup, il demande qu'est-ce qu'elle a pris comme drogue, parce que, en plus, il est médecin légiste, certes, mais il connaît aussi, quoi. Donc, pas que je sache. Alors, c'est une expression anglaise. Courante, je ne sais pas si vous l'avez, si vous la connaissez. Alors on va voir si c'est un comment je pourrais l'aider. pas que je sache, pas que je sais pas. Non, pas que je sache. Sinon. Ça veut dire pas que je sois au courant, aucune que je sois au courant. Enfin, aucune. Non, pas que je sois au courant. Oh, ça, c'est pas du bon français. Le bon français, c'est pas que je sache. Désolée, je peux pas vous aider plus. Désolée. J'essaye pourtant, hein, mais bon. Alors, Mazou qui nous propose « Not at all ». What did she take? C'est une très bonne alternative. Not at all, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Not at all, ça veut dire pas du tout, absolument pas. Hein?
il n'aurait pas d'hésitation sur le fait que sa fille prenne de la drogue ou pas. Phil, as your daughter has been already taken drugs, avec un S, before. Mais là, vous avez, attention Phil, vous avez deux fois l'auxiliaire has. Le premier qui est bon, parce que c'est une question donc, en première position. Du coup, vous enlevez le deuxième et vous mettez been ou alors taken directement. Hein. Oui, has been taking, ing, si vous mettez been, par contre. Vous ne savez pas, Phil, never mind. Face, not that I know. Ah, that's good. We have a champion. Face. Not that I know of. Not that I. Oh, non, 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 pas forcément. C'est pour l'autre expression. Excusez-moi. Face, c'est bon. Not that I know. Pas que je sache. OK. Et il y a une autre. Il y a une autre avec la formule to be aware. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? To be aware. Être au courant de. To be aware of something. Est-ce que quelqu'un peut me faire la phrase avec to be aware, qui veut dire être au courant de? Je me mets to be aware. Off. Être au courant de ce qui se passe, quoi. De quelque chose. Alors, Loli, not that I know. Oui, ça, oui. What kind of drugs has she taken? Alors, non, Loli va nous faire du... comment ça s'appelle, du present perfect du nom. Elle les a pris. Elle les a pris. Imaginez-vous dans la situation. Ah oui, Loli. I am not aware of that. Ouais. En fait, c'est lui, il dit dans l'épisode, il dit not that I'm aware of. Off. Et ça, c'est courant. Hein? Not that I'm aware of. Not that I'm aware of. Oui, I'm not aware of. Alors, si vous dites comme ça, Florence, I'm not aware of it, comme Sandrine, juste au-dessus, que j'avais zappé, excusez-moi. I'm not aware of it. Je ne suis pas au courant de cela. Je n'en suis pas. Je n'ai pas été mis au courant. What did she take? Yes. Et vous écouterez hein, la série demain. C'est not that, il le dit comme ça, not that I'm aware of. OK? C'est un peu tournicotis, mais moi j'aime bien la formulation. Bruna, not that I know. Il ne faut pas oublier le sujet I, hein, Bruna. What apostrophe S did she take? L'apostrophe S n'a pas besoin d'être. Loli, what kind of drug did she take? Oui, ça c'est bon. Phil, quand je dis to be aware of something, c'est qu'il faut conjuguer be. Si vous l'avez mis I'm, ne le remettez pas encore après le not, Phil. Face, I'm not, une seule fois, ouais, aware of what happened. Oui, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Je vous ai mis, not that I'm aware of. Oui, je vous ai mis la réponse. Qu'est-ce qu'elle a pris? Vous l'aviez, what did she take? Mais il y a une autre façon de le dire. Qui est celle de l'épisode, c'est celle-ci. What was, what, sorry,
What was it she took? C'est comme si on disait c'était quoi qu'elle a pris? C'était quoi qu'elle a pris? What was it she took? What was it she took? Mais ce que vous avez mis, c'était bien. C'est un what did she take? Très bien. Ensuite, le docteur, alors bon, il y a des mots un peu scientifiques par rapport à la drogue, tout ça. Alors, la fille, sachez-le, elle s'appelle Fern, F-E-R-N. Et je vais mettre juste ça. Donc, ça, c'est le médecin qui lui dit ça. Les symptômes de Fern, donc c'est le prénom de la fille, suggèrent une sorte de psychoactif, de drogue psychoactive comme la MDMA. Bon, moi, j'y connais rien, hein. Mais bon, MDMA, c'est pareil. Et psychoactif, alors, quand c'est IF en français, c'est IVE en anglais. Donc, vous avez le mot. Alors, comment vous me diriez ça? Les symptômes de Fern. Alors, réfléchissez. Les symptômes de Fern, son nom, quoi. En anglais, vous pouvez l'inverser. Par exemple, yes, Phil, c'est ça. What was it she took? What was it she took? C'était quoi qu'elle a pris? OK. Donc, les symptômes de Fern, je ne sais pas comment dire son nom, suggèrent une sorte de blablabla comme la MDMA. Vous pouvez mettre blablabla, trois petits points, hein. C'est pas ça l'important, c'est les structures de phrases. Alors, qui va me mettre quelque chose en premier là? Les symptômes de Fern suggèrent une sorte de blablabla comme la MDMA. Yes, face. Oulala. Fern's symptoms. Donc, apostrophe S. Yes, Loli. Fern symptoms. C'est dur à dire, hein. Fern symptoms. Sans le E, par contre, hein. Comme face. Suggest. Oui. Et le comme. Comment. Suggest. Mettez quand même une sorte de. Hein. Continuez un petit peu plus. Et mettez-moi le comme. Comment vous le traduiriez? Je dis de faire du mot à mot pour une fois, profitez-en. Alors, a kind of, yes, yes, Loli, a kind of, that's good. Mazou, the symptoms of Fern, pas besoin de mettre une apostrophe, du coup, si vous le dites comme ça, mais c'est bon. Florence, Fern symptomatics. Alors, symptomatics, c'est l'adjectif, nous on veut le nom, symptôme. Ce n'est pas symptomatique, c'est les symptômes. Donc, vous mettez symptoms. Fern symptoms suggère en anglais. Ça, c'est du français que vous m'avez mis, suggère. A kind of, oui. OK. Loli, symptoms, oui, sans le E, merci. Sandrine, de feu. Alors. On ne met pas un article hein, devant le nom d'une personne. Hein. The, on ne le met pas. Fern symptoms let know. Ah. Let us know, dans ce cas-là plutôt. Hein. Nous montre que, nous fait dire que. Let us know what. Il faudrait mettre que c'était, que c'est une sorte, a kind of. Psychoactive like the MDMA. Like, oui, c'est le bon comme, super. Alors, je vous le dis, elle est un peu compliquée.
je vous mets la suivante. Non, je vous mets le français pour la suivante. J'allais vous mettre la réponse, évidemment. Mais elle a bien répondu. Mais elle a bien répondu à ce qu'ils ont fait, au traitement qu'ils lui ont donné, quoi. Hein. Donc, dans la série, vous allez entendre Fern symptoms, ça vous l'aviez, suggest, avec un S, suggest some sort of, pareil que a kind of, une forme de, une espèce de, some sort of, quelque chose comme, some sort of psychoactive, like MDMA, ok? Fern symptoms suggest a kind of psychoactive like MDMA. Parfait. Feel fern symptoms, il y a un en trop, suggests a sort of psychoactive as. Non, c'est pas as. C'est like. Le comme ici, c'est like. Hein? Parce que c'est un nom qui suit après. Il faut revoir la différence entre as et like. Il me semble que j'ai une... Non, je n'ai pas de vidéo là-dessus, je ne sais plus. As et like. À chaque fois, je note hier. Je ne trouve pas le temps de faire. C'est bizarre quand même. Alors, la suite. Mais elle a bien répondu. Elle a bien réagi au traitement qu'on lui a fait, c'est entendu quoi. Comment le docteur va dire ça? Mais elle a bien répondu. Face me dit après un as, après un verbe, après as, après in verbe. Après un verbe, ah. Ah, vous êtes... Oh, Face, vous êtes anglophone, n'est-ce pas? Vous apprenez le français, non? J'ai l'impression, parce que vos phrases sont parfaites, donc... Et vous faites des erreurs en français. Donc, je suis en train de me dire que vous faites le contraire. C'est bien si c'est le cas. Mais elle a bien répondu. Alors, Bruna, but she answered very well. Alors, she answered, to answer, c'est répondre à une question, à la parole. Hein, c'est pas répondre, réagir, réaction, action. Hein, c'est pas answer ici. Le temps est bon, par contre, et le reste est bon, Bruna. Le lien enlevé, Face, non. Ah bah, well done alors. Super. Florence, but she has good answer. Donc, même commentaire que pour Bruna, answer, c'est pas le mot qu'il faut ici. Hein. An answer, c'est une réponse que l'on fait à une question. Pas, on dit ça en français, elle a bien répondu. J'aurais pu dire elle a bien réagi. Où suis-je? J'ai dit qui? J'ai dit Florence. J'ai dit Loli. But she has responded. Oui, c'est ça, responded. She has responded well to the treatment. Sous-entendu. Oui, tout à fait. Parfait, Loli. Excellent. Sandrine, but she get the good reaction. She got, actually, or she has got, or gotten, a good reaction. Sandrine. Phil, but she has accepted a day, well, the treatment. Okay. Loli, but she responded well. Oui, vous l'aviez, Loli, de toute façon. Feel accepted. Ah oui, d'accord. Avec deux C, c'est pas grave. Mazou, but she responded well. Excellent. But she's responded well. C'est exactement ça dans la série. Ensuite, le docteur Harrow qui demande comment est-elle arrivée ici à l'hôpital, quoi. Comment est-elle arrivée ici? Est-elle arrivée ici?
Moi, il est arrivé ici. Alors, vous me dites quoi? Comment est-elle arrivée ici? Pardon, je suis en train de... Ouais, ça, hop, faut que je change. Où suis-je? Ouais. Alors, comment est-elle arrivée ici? Pardon. Alors, nous avons Mujahid. How she arrived here? Oui. Bon, la structure de la question, essaie quand même de mettre un petit peu le sujet, non, le, pardon, le, l'auxiliaire avant le sujet. Bruna, but she has a good reply. But she has a good reply. Je réfléchis. Bruna, but she has a good reply. But she had, donc elle a, et oui, on suppose qu'on pourrait dire ça. Je ne le dirais pas personnellement, mais je suppose qu'on pourrait, ouais. Avec... had, H-A-D. Loli, how did she get here? Yes, perfect. Face, how has she arrived here? Present perfect. Ça fait bizarre, je trouve, ici. Hein? Face. Mazou, how has she arrived here? Donc, pareil. Que face Alex, how is she arrived? Ah ben non Alex, is non c'est pas le bon, c'est pas le bon, le bon auxiliaire pour la question là, c'est non c'est pas le be qu'il faut utiliser ici. There here, oui j'avais compris ça. Florence, how has she arrived there? Tout le monde met du present perfect, c'est bizarre. Enfin bon, vous pouvez, mais enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut? Ouais, j'imagine. Si, on pourrait. C'est pas ce qu'il dit, mais on pourrait. Florence, j'ai dit ça. Face, how has she gotten here? Yes, oui, gotten or got, il y a deux façons de dire pour celui-là. Sandrine, how did she arrive? Alors, si vous mettez did, Sandrine, vous ne mettez pas ed à arrive. Hein? Vous avez déjà le passé dans l'auxiliaire. Pas besoin de le mettre dans le verbe. OK? Phil, how did she arrive? Voilà, comme Phil vient de le mettre. There, here. There, c'est là-bas, hein? Mais il est dans l'hôpital, donc here. Plutôt, hein? How did she? Oui, en mettant le sujet. Voilà ce que je préfère, Face. How did she get here? Hein? How did she get here? Hello, Naba. How is it arrive where? Pourquoi where? Pourquoi où? Et c'est une personne, hein? Peut-être que vous n'avez pas suivi, vous venez d'arriver peut-être. Mazou, how did she arrive here? Good. How did she come here? Come here, here. Pas there, Phil. There, c'est plus loin, c'est là-bas, mais il est déjà à l'hôpital. En fait, Dr. Hao, il dit, how does she get here? How does she get here? Mais là, c'est du passé. Moi, c'est du présent et c'est du parler, je veux dire. Concrètement, j'aurais plutôt mis comme vous, hein, how did she get here, or did she arrive, did she come, ok. Ensuite, le docteur, alors explique comment elle est arrivée. Elle a été laissée dehors par quelqu'un, devant la porte, comme ça, là, hop, devant la porte de l'hôpital, les urgences de l'hôpital, j'imagine. Elle a été laissée dehors par quelqu'un.
ils ne sont pas restés. Ah, je vous mets ça aussi. Ils ne sont pas restés. Bon, ils ont dû, c'est une question de drogue, donc ils ont dû avoir peur. Hein. Elle a été laissée dehors par quelqu'un. Ils ne sont pas restés. Alors, Bruna, how is she arrived here? C'est le mauvais auxiliaire, Bruna. C'est pas l'auxiliaire bi, hein. Revoyez vos auxiliaires. C'est l'auxiliaire doux qu'on doit utiliser. Au présent ou au passé, comme les autres. Alors, donc, la suivante, c'est « Elle a été laissée dehors par quelqu'un », comme ça, là, devant l'hôpital. Ils ne sont pas restés. Ok, Phil, ok, Bruna, génial. Ok, super. Je me fais comprendre, c'est bien, c'est l'essentiel. Alors, « Elle a été laissée dehors par quelqu'un ». Moujahid nous dit « She was let outside by someone. They didn't stay. They didn't say it's good. She was let quoi ?» Je crois que vous confondez le verbe. C'est presque celui-là, mais c'est pas celui-là. Et les autres ? Et les autres ? Loli, she was left outside. Voilà, left, hein, il y a un F, c'est pas la même chose, hein. Left outside by somebody. Someone, somebody, oui. They didn't stay. That's good. Quelqu'un d'autre, hein? Oui, moi, Moujahid, pardon. Très bien. Faith, she was left outside by someone. Exactly. Oui, Moujahid, left, avec un F, super. Quelqu'un d'autre, Florent, she was, I deposit outside for someone. Pas pour quelqu'un, mais par quelqu'un, by, hein? For, c'est pour. By, c'est par quelqu'un. She was, qu'est-ce que j'avais mis en français? Elle a été laissée. Deposit, c'est bizarre. C'est plutôt un colis ou tout. Non, mais je ne sais même pas si ça se dit, en fait. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça se dit? Oui, ça se dit, mais c'est pas dans ce sens-là. En verbe... Ah, si on pourrait. Ah, c'était Florence, non? Oui, on pourrait utiliser ce verbe-là. Par contre, il faut le mettre au participe passé. Alors, on enlève le I. Hein? She was deposited. Oh, ça fait bizarre. Deposited, je ne l'ai jamais, vous voyez bien que je n'ai jamais utilisé cela, mais apparemment il existe. Hein? Outside by someone. Phil, she was left outside by someone. They didn't say face, stay, they wasn't stay. Mazou, non. On va pas, c'est l'auxiliaire doux. Revoyez vos auxiliaires, hein? Surtout, j'ai les vidéos là-dessus, hein? Pour doux, pour have et pour B, en tant qu'auxiliaire, il s'emploie dans certains temps, dans certaines conditions. Il faut bien les choisir. On ne met pas l'auxiliaire be pour le verbe stay, mazou, hein, pour du présent, quoi. Non, ce n'est pas possible. Même du passé, ok. Loli, she was abandoned. Oui, ça aussi. Outside by someone. C'est possible. Oui, tout à fait, c'est possible, Loli. Ok, ensuite, alors, oui, la réponse du docteur, c'est she was left outside by someone. Hein, left, vous l'aviez. Alors, par contre, they didn't stay.
Là, c'est dans l'épisode, c'est plus. Parce que bah, ça ne se fait pas de faire ça quand tu es posé quelqu'un qui a des problèmes de santé juste comme ça et de partir s'enfuir, quoi. Elle dit they didn't stick around. They didn't stick around. Ça, c'est une. To stick, c'est coller. Hein? Et dans l'expression to stick around, c'est rester dans le coin, quoi. Bah, ils ont eu peur des flics, je suppose. They didn't stick around. Ça, c'est une expression très utilisée, hein, surtout dans les feuilletons, tout ça, dans les séries, ok? They didn't stick around. Et puis, donc, le docteur dit... Ah, j'ai perdu mon truc français, zut. Voilà. Le docteur dit... Elle est juste là, en montrant une, pas une chambre, mais un, enfin, on va dire une chambre. Elle est juste là. Ça, c'est simple. Elle est juste là, elle est juste ici. Comment elle va dire ça au père, donc à Harold? Moujahid a compris, super. Phil, they didn't stay with her. Oui, they didn't stay with her, tout à fait. Mais c'est très, très poli, ça. Mais là, dans ce cas-là, on peut dire « they didn't stick around ». Alors, elle est juste ici, là, en montrant derrière le rideau là, de l'hôpital. Alors, vous me dites, Moujahid me dit « she's just here ». Pareil pour Mazou, Loli, « she's right there ». Avec un E à la fin, oui, vous avez corrigé. Alex, she's just, sans le E, just here. OK, cette correction automatique, des fois, quand on est en français, ça fait ça. Florent, she's here. Ben oui, she's here. Et stick around. Yes, to stick around. Ça, c'est le verbe rester, rester dans les parages, quoi. Et donc, le docteur dit « She's just in here. In here. In, inside, in here. » En montrant du doigt derrière le rideau. « She's just in here. » OK ?« She's just here. » Aussi, ça le fait tout à fait. Alors, après, on change de scénario. Enfin, de scénario, de scène, pardon. Et donc, il voit en fait, il regarde et il voit le lit vide et quelque chose qui bouge comme si ben, elle venait de s'enfuir. Et effectivement, c'est le cas. Donc, il court en dehors de l'hôpital. Donc, le lit est vide en dehors de l'hôpital. Et il la voit. Et il la voit qui va partir. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que le seul dialogue, les seules paroles ici, c'est juste son nom. C'est-à-dire, Fern attend. Bon. Il lui crie, Fern, 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 attends. Bon, ça, vous savez, hein, attends, je ne vais pas faire l'affront d'attendre pour ça. Alors, docteur, ok. Ensuite, il est dans sa voiture et il appelle son ex-femme. Fern, wait. Oui, tout à fait. Hein, wait, tout simplement, c'est du de l'impératif wait. Mais elle s'en va. Elle le regarde, elle le voit, elle entend, elle le voit et elle s'en va quand même dans le taxi. Alors, Dr. Harrow retourne dans sa voiture et il appelle son ex-femme, donc la mère de la fille, logique. Et, alors à droite pour le français, il a sa femme au téléphone qui répond en disant « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Bon, c'est son ex, hein. Donc, c'est pas super, super courtois des fois.
J'ai pas le temps. Elle décroche quand même et elle dit j'ai pas le temps. Alors, en anglais, j'ai pas le temps. Comment on dit ça? Je n'ai pas le temps. Une expression aussi, ne pas avoir de temps. Alors, Gnaba, I ain't time. C'est ça, j'imagine que vous avez voulu mettre en mettant N apostrophe T à ain't time. Mais il manque quelque chose, il manque le verbe. Mazou, I don't have time. Loli, I don't have time. Tout le monde me met I don't have. Ah non, moi j'avais, vous avez oublié le verbe. I don't the time. alors, je vous dis, donc face, I don't have time, ok. I'm running late, ou I'm running late, oui, c'est une expression, je suis à la bourre, quoi. J'ai quelque chose à faire, je suis à la bourre, I'm running late. Prince Choco, I haven't time. Alors, il vous manque quelque chose à tous, là. Vous savez que le verbe to have est aussi peut se dire avec have got. Et là, pour cette occasion-là, c'est vraiment plus parlant d'utiliser have got. Et voilà, ça y est, vous m'avez compris. Alex, I have not a time. Not a time. Oubliez l'article. Oubliez l'article. Là-bas, I not time. Là, il n'y a même pas de verbe là-bas. Donc, il en faut un. Phil, I haven't. Alors, si vous mettez I haven't seulement, si vous ne mettez pas have got, il faut mettre I don't have. Vous ne pouvez pas mettre I haven't et pas de verbe après. C'est pas possible. Enfin, de verbe, de quelque chose après, quoi. Anytime. Anytime, c'est bien. Loli a trouvé, oui, I haven't got time. I haven't got time. Ça, c'est une expression, j'ai pas le temps, quoi. I haven't got time. Leave me alone, I haven't got time. Okay. Et Mazou, I haven't got time. Yes, Phil, I haven't got time. OK, Florence, I haven't got time. Excellent. Face, I haven't got. Oui, tout à fait. Ensuite, I haven't got time. Aro qui lui dit, pardon, est-ce que Fern est là? Fern, rappelez-vous, c'est le nom de la fille. Est-ce que Fern est là? Aussi, c'est facile, faites-le moi en deux secondes là. Est-ce que Fern est là? Est-ce que? Je vais le mettre quand même. Est-ce que Fern est là? Alors, c'est une question. Vous savez que je suis pointilleuse là-dessus. Quand c'est question. Donc, la structure d'une question. Moujahid, sorry, is Fern. Alors, pourquoi deux fois le verbe ou l'auxiliaire, ou, je sais pas, is? Une seule fois suffit, Moujahid. Loli, is Perm, elle a changé de nom. Here? Oui, voilà, tout simplement, hein. Is Fern here? Face, does Fern. Ah, non, face. Does Fern is. Non, ça, c'est pas possible. C'est l'auxiliaire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Est-ce qu'elle est là? Est-elle là? Hein, c'est le verbe être, c'est. Voilà. Non? Florence, does. Ah ouais, vous aussi? Ah, je vous ai perturbé avec. Mais il faut le choisir, hein, l'auxiliaire. Does Fern here? Non, 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 non. Mazu, does Fern is here? Non plus, hein. Non, non, ça, c'est pas possible, tout ça, là. C'est is Fern here? We face. OK?
Phil, don't waste your time. Alors, waste, don't waste your time. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? C'est à moi que vous dites ça? Non. Mais sorry, that's fun here. Yes. Non, pardon. Non, Mazou, c'est pas Daz, là. Est-elle là, c'est être. Est-elle là, c'est être là. Je suis là, I am here. Est-elle là, is she here? Oui, Florence et Phil, vous avez... OK. Je croyais que c'était un truc facile, celle-là. Oh, vous m'étonnez. bon, l'ex-femme dit non. Haro demande, a-t-elle appelé? A-t-elle appelé? Ah, une question là, je crois. Florent, j'ai pensé qu'il fallait toujours mettre l'auxiliaire d'où pour former une question. Ah ben non, il faut choisir l'auxiliaire. Mais l'auxiliaire, on le choisit en fonction du verbe et du temps. Par contre, là, c'est le verbe être, c'est pas avoir été, par exemple, ou je sais pas comment dire. Là, c'est le verbe être qu'on met devant parce que c'est une question et donc c'est is. Mais on peut pas utiliser l'auxiliaire do pour pour le verbe être, ça fait dashibi. Non. Ça ferait vraiment bizarroïde, non? Alors, a-t-elle appelé? Oh, j'ai oublié un petit tiré là. Parfait. Hello, parfait. Hi. Phil, is phone present? Present. Yes, sir. oui, on peut dire present as well, aussi. Oui, oui, on peut. I'm very late, sorry. No, never mind. On est à la phrase a-t-elle appelé? Téléphoné, quoi. A-t-elle appelé? Loli, does she call? Ah, ça, c'est du présent. Alex aussi, does she call? Est-ce qu'elle appelle? Phil, no, not for you, teacher. I hope not. Phil, parfait, because I'm working. Yes, I know. There is always someone that can't make it, obviously. Mouchaïd, has she called? Oui. Oh, did she call? Aussi. Les deux sont bons, là. Bien, Moujaï. Là-bas, je pourrais avoir la correction d'anglais, s'il vous plaît. De quoi? Là-bas, de quoi? Il y a beaucoup de monde, alors il faut me... Quand il y a quelque chose de précis, il faut me remettre la phrase ou... Je ne sais pas, correction de quoi vous voulez. Mazou, does she call? Non, ça, c'est du présent, Mazou. A-t-elle appelé? Est-ce qu'elle a appelé? C'est passé, c'est pas... Est-ce qu'elle est au téléphone maintenant? OK. Sandrine, did she call? Oui. France, does she call? Non. Does? Non. On ne peut pas mettre du présent là. Hein. Soit du prétérit, soit du present perfect. Has she called? Comme... non, c'était pas Mazou, c'était qui? Moujaïd, qui nous a mis les deux bonnes réponses. Doesn't she called? N'a-t-elle pas appelé? Avec un N à doesn't. Doesn't she called? Didn't she called? Hasn't she called? Prince Choco, did she call? Non, did she call? Sans le ED. Oh, ben c'est bizarre que vous bloquiez sur des petites choses comme ça. Je pensais que c'était bon, ça.
Sandrine, ou did she ring? Oui, ring, c'est bien aussi. Oui, oui, tout à fait. Ring, call. Or phone, even. Face, did she call? Yes. Slowly, did she call? Yes. Did she call? L'amour, yes. Hello. Florence, did she call? OK. Est-ce que Fern est là? Ah, is she here? Is Fern here? Is Fern here? Beaucoup l'avaient, hein? Et j'ai dit, hein, que plusieurs qu'ils avaient bon, hein? D'accord, Gnaba? Maz, did she call? OK. Phil, did she call? Did she give a ring? Yes, also, Loli. Tout à fait, tout à fait. OK. Et la femme, donc, elle dit, non, pas de vive voix. Ah, pas de vive voix. Elle m'a envoyé un SMS comme il y a... pourquoi comme? Il n'y a pas de comme. Elle m'a envoyé un SMS. Je vérifie l'anglais, c'est où? Alors, d'abord, on va dire non, pas de vive voix. Pas de vive voix. Pas de vive voix. Alors, pas de vive voix. De vive voix, c'est-à-dire en direct, quoi. Donc, pardon. Elle pourrait dire, enfin en français, on pourrait dire quelque chose comme pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aider? Pas en utilisant sa voix actuelle. Alors là, je vous fais du mot à mot. Pas en utilisant sa voix actuelle. Mais en français, on dit pas de vive voix. Hein? Alors, qu'est-ce que vous me dites, Florence? No, not to talk. Not in person. Ça, c'est bon, Loli. Oui. Alors, Loli, il faut mettre un... Le deuxième « no », c'est avec un « t ». Il faut dire « no, not in person ».« Not in person ». Ça, c'est good. Ça, c'est good. Phil, we are blocking on small details. Yes, it's true. It's a shame. C'est dommage, hein? Je pensais pas. Alors, pas de vive voix. Et c'est pas des, enfin c'est des détails, mais en même temps c'est du langage courant, donc il faut le savoir, hein, même si quand vous dites détails, c'est parce que c'est court, mais c'est quand même important. Mazou, no, not with voice actually. Alors, actual voice. En fait, elle dit, ça je vous le dis parce que, bon, je ne l'aurais pas dit comme ça non plus. J'aurais dit comme c'est Loli, je crois. Not in person. Yes. Mais dans la série, ils disent, elle dit, madame, elle dit, not using her actual voice. Et après, elle explique, elle m'a envoyé un SMS il y a une semaine disant qu'elle allait bien. Elle m'a envoyé un SMS il y a une semaine disant qu'elle allait bien. Un SMS il y a une semaine disant qu'elle allait bien. Alors, not using her actual voice, c'est bon, c'est juste que pour que vous le compreniez quand vous allez l'entendre demain. Not using her actual voice. Elle m'a envoyé un SMS il y a une semaine disant qu'elle allait bien. Ça, c'est simple normalement, hein? Alors, Phil, no, not by voice. Not by voice. Ça se comprendrait. Ça se comprendrait. On pourrait dire peut-être not live. Ouais, en direct. Mujahid, she sent me a SMS
one week ago. Ouais, je préfère a week ago, mais bon. Saying she was good. Good. Yeah. 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 Loli, one week avec un K. Oui, Loli. Ago, she sent me an SMS saying she is well. Je prends mes désirs pour les réalités là. She is well, ok. Oui, c'est bon ça. She sent me an SMS saying she is well. Ouais, c'est bon. Mazou, she send. Alors, c'est il y a une semaine. Donc, c'est du prétérit. Me, a message. There is one week. Alors, il n'y a pas besoin de mettre. C'est ago qu'il faut ici. Il y a, c'est ago. A week ago. Alex, she sent me SMS telling she was well. Telling me. Si vous utilisez le verbe to tell, il faudra mettre me, telling me. Mais là, dans cette phrase, on utilisera plutôt saying. Hein? She sent me a SMS cette fois-ci. Il y a un article, désolé. Saying she was well. OK? Florence, she sent me an SMS a week ago and has been good. And she has been good. Yeah, well, okay. She was well. She is or she was? She is. Ramses, she sent me an SMS. Oh, SMS, non, je ne sais même pas. SMS, there was, avec un S, one week ago. Ah ben non, si vous mettez ago, mettez surtout pas there was, parce que ça fait double pour rien. Ago, c'est déjà il y a. And she was good. OK. La mouche, she sent me message. A message, one week ago, c'est A-G-O, she is all right. Not she's right. She's right, c'est elle est vraie. Enfin, elle est vraie. Elle dit la vérité, quoi. Elle a raison. Elle a raison. Voilà, c'est le mot que je cherchais. All right. Dans ce cas-là, she's all right. Sandrine, one week ago, she sent me a mail. Oh, un SMS, mais bon, si vous voulez, pourquoi pas. Saying she's well. Oui. Phil, she sent me an SMS a week ago. She's great. Excellent. Faye, she sent me an SMS 1 week ago saying she was well. OK. Et ensuite, elle demande paniquée, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oui. Pourquoi, que s'est-il passé? Pourquoi, que s'est-il passé? Pourquoi, que s'est-il passé? Ah, ça, c'est rapide. Je vais finir la truc du téléphone quand même. Pourquoi, que s'est-il passé? Oui, Face. Why? What happened? Ramses, why? What happened? Oui, tout à fait. Loli aussi. Moujaïl aussi. OK. Sandrine aussi. Ensuite, elle dit, son mari, enfin son ex, Haro, qui lui dit, elle a été admise aux urgences. Elle a pris quelque chose. Elle a été admise aux urgences. Alors, vous entendrez hein, dans la conversation, parce que c'est un peu la panique entre ben, les parents. Les deux parlent l'un sur l'autre, quoi, si vous voulez. Donc, il faudra vraiment chercher. À la limite, vous pouvez utiliser la fonction de ralentir la lecture de la vidéo sur la roue crantée dans YouTube, vous pouvez faire ça. Hein. Vous pouvez mettre peut-être, je ne sais pas, 75% pour ralentir un peu la vitesse, pour
to catch everything, hein, pour capter tout, peut-être. Essayez. Si vous avez besoin, sinon, ne mettez en vitesse normale. Hein. Alors, elle a été admise aux urgences, elle a pris quelque chose. Elle a été admise aux urgences, elle a pris quelque chose. Pardon. Oui, Florence, why, what happened? Ok, good. Phil, she got me an SMS. Elle m'a obtenu un SMS. C'est pas logique, ça. Elle a envoyé, Phil. A week ago saying she was well. A week ago saying she was well, ça c'est good. L'amour, why, what happened? Ok. Phil, what's happened? Vous avez oublié un E avant le D. Attention, oui, Phil, c'est correct si vous pensez que l'apostrophe S de what's est pour has, pas is. Hein? Et puis, rajouter un E pour faire ED à happen. What has happened? En contracté, what's happened? OK, ça passe, ça le fait aussi. Lolly, she was admitted to the emergency. She took something. Yeah. To the emergency board. Sans l'article. Happened. Yes, ED, exact, film. Good, good. Mazou, she was admitted of urgency. She took something. She took something is good. La première partie, il faut revoir. Ramses, she was transferred in emergencies. She took something, okay. She was transferred in emergency. Oui, ça transferred, ça voudrait dire qu'elle était ailleurs avant, hein, du style hospitalisée quelque part, hein. Mais bon, ça pourrait passer. Sandrine, she has been admitted to emergency. She took something. Yes, good. Good, good, good. Sandrine, Florence, she was admitted. Admitted. I-D-T-E-D. To the emergency. She took something. Alex, she urgence. She took something. Yeah, it's to be admitted. To be admitted. Ooh. La tête qui tourne un peu là. Oups. To be admitted. C'est être admis aux urgences, to emergency. OK? She was recovered. Recovered, pas possible dans ce cas. Non, pour moi, non. Hein. Recovered, non. Non. Je réfléchis, mais non, toujours non. Désolée. She was admitted, oui, to emergency, to the emergency. Bon, le 2 n'est pas nécessaire ici. She took something. OK, good. Et donc, elle a pris quelque chose. OK. Alors, la mère qui dit quand, bon, français, c'est when. Haro continue dans sa conversation. Elle a pris quelque chose de la drogue de fête. De fiesta, quoi, de la drogue de fête, je ne sais pas comment on dit. On dit peut-être le même mot que l'anglais, en fait. Je vous dis party, to party, faire la fête, drug, les drogues. Mais
Mais elle allait bien. Je vous mets juste party drug. Party drug, mais elle allait bien. Ok, Lonnie, no problem. Mais elle allait bien. Oui, festive drugs, oui. Oui, on pourrait dire ça, ouais. Party drugs, festive drugs. Mais elle allait bien. Ah oui, je vous ai pas mis, pardon, le français. Mais elle allait bien. Pour assurer la mère, quoi. Alors, but she was okay. Yes, Lily. Exactly. Exactly. Okay. And then. Alors, la femme lui demande. Alors, ça se, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se, dans l'épisode, ça se recoupe, quoi. Elle lui dit, alors, il lui donne la réponse avant qu'elle lui dise, est-ce qu'elle va bien? Quel hôpital? Est-ce qu'elle va bien? Bon, ça, je vous le dis. Which hospital? Is she okay? Mais il lui a dit juste avant. Hein. Et elle lui demande, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? L'as-tu vu? Lululu. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Avant-dernière. Est-ce que tu l'as vu? Alors, il y a quelqu'un qui me met quelque chose. Tagata, but she was good. Laurence, l'amour, drogue de stupéfiant. Sandrine, when? She used some party drugs, but she was well. Yes, she was okay. Okay, good, good. Est-ce que tu l'as vu? Have you seen her? Parfait. Have you seen her? Have you seen her, Loli? But she was good, Namu. Yes. Mazu, did you see her? C'est ce qu'ils disent dans l'épisode, mais c'est, les deux sont bons. Have you seen ou did you see her? Laurence, did you see her? Good. Alex, did you see it? Ah non, hein. Oui, vous avez corrigé, Alex. Her, she's a human. Mujahid, have you seen her? Okay, feel party drugs, but she was feeling good. Yes, okay. And then, did you see her or have you seen her? Et après... Eh bien, Haro qui lui répond, elle est partie avant mon arrivée. Ah, elle est partie avant mon arrivée. Et on va s'arrêter. Ça sera la dernière. Elle est partie avant mon arrivée. Désolée, je commence à avoir un mal de crâne par rapport aux yeux, c'est pour ça. Elle est partie avant mon arrivée. L'amour, have you seen her? Oui. Phil, have you seen her? Yes. Et maintenant, la dernière, elle est partie avant mon arrivée. Ah. Elle est partie avant mon arrivée. Loli qui nous met she has gone. Ah. Alors là, vous pensez, ouais. She has gone before I arrived. Concordance des temps là. Vous mettez l'un present perfect et l'autre prétérite. Moujaï qui a enlevé Sandrine, she was went before I come. Went, non, parti. Went, c'est le prétérite de go. Je sais même plus.
To go and when gone. Oui, tout à fait. C'est le past participle. Enfin, oui, l'adjectif, le past participle qu'il faudrait mettre la troisième colonne ici, Sandrine. She was, si vous voulez utiliser le verbe to go, ah ben, juste comme Alex. Mais, ouais. Il faudrait mettre she was gone. Ça, c'est pour Sandrine. Hein? Before I come au présent. Ah. OK. Donc, Alex, she gone. Il vous manque l'auxiliaire. Vous ne pouvez pas mettre, c'est elle est partie. Là, vous avez mis elle partie. Adjectif, donc c'est bon, mais il faut mettre quelque chose entre les deux là. Before my. Ah non, si vous mettez my, il faut dire arrival. Arrival, mon arrivée. Hein? Mon arrivée, le nom. Pas l'adjectif. Moi, vous avez enlevé votre message, donc je ne peux pas vérifier votre left là que vous mettez. L'amour, she has gone before I have come. oui, quand j'ai dit la concordance des temps. She has gone before I have come. Oh non, ça passe pas ça. Ça peut pas passer ça. Pourquoi vous mettez pas tout au prétérit, hein? Parce que c'est aussi, ce sont des actions. Elle était partie, quoi. Enfin, non, je sais pas comment expliquer. Excusez-moi, j'ai du mal ce soir. Hein. Un mal de crâne qui s'implante bien là. bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Maybe she came from Ibiza. Ah, merci de me faire rire, Phil. J'avais besoin. Maybe she left for Ibiza, j'aurais dit. Florent, she went before I arrived. Yes, thank you. That's the one I wanted. Mujahid, she had left before I arrived. Oui, ça aussi, on peut faire comme ça. She had left. Past perfect. Et après, prétérit. Oui, dans ce cas-là, oui. Loli, she had gone before I arrived. Oui. Past perfect and then preterite. Oui. Ram says she had left before I had arrived. Ah ben non. Il faut que l'un soit avant l'autre ou l'un après l'autre. C'est-à-dire que le deuxième, je suis arrivée, vient après l'action qu'elle soit partie. Mais tout est dans le passé. Donc, comme les deux au-dessus de vous, le premier had un past participle, ok, mais le deuxième au prétérit. Et ça, c'était pour Ramsès. Loli, she had gone before I arrived. Yes, yes, yes. I didn't say yes to you? Yes. It's the same, isn't it? Ah ouais, vous avez mis qu'un seul before. Ok. Phil, she went before I leave. Leave, c'est partir. On veut arriver. Vous confondez les allers-retours de Ibiza, là. Vous y allez ou vous en partez? Mazou, she was... Ah non, pas she was. Pas she was. She was left. Vous faites du mot à mot, Mazou. C'est pas bon, ça. Auxiliaire, present perfect, c'est have. Sandrine, she left before I come. Before I came there. Or I arrived there. She has gone before I arrived. Yes.
Why did you laugh, teacher? Why did I laugh? Because you make me laugh. So it's good. Don't complain. Okay, guys. Il y a juste trois trucs de plus, mais j'avoue, j'ai un mal de crâne là. Il faut que j'arrête. Il faut que je repose mes yeux. Je suis désolée. Mais bon, ça fait déjà 1h20 qu'on est là. Donc, c'est rare, hein, je pense. Tous ceux qui sont inscrits sur la liste qui est dans les commentaires recevront demain dans la journée. Je ne peux pas promettre que ça soit le matin, mais dans la journée, vous recevrez le lien pour aller voir la vidéo et je vous mettrai le passage qu'on a vu aujourd'hui et les phrases en anglais de l'épisode et la traduction en français également. Mettez-moi un pouce quand même, soyez sympa. Et I see you very soon. OK. Bye bye. Take care. Take care, everyone. Bye.